à tous, c'est Estelle de Farming Together. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me suis rendue en Suisse pour vous préparer plusieurs épisodes. Je suis arrivée chez l'importateur Beauvais SA qui importe les marques Fenn, Valtra et Massey. On va visiter plusieurs exploitations typiques de ce pays, toujours pour vous faire découvrir les bonnes initiatives du milieu agricole. Et on va justement rejoindre Gaëlle pour parler du programme de cette semaine. Bonjour Gaëlle. Bonjour Estelle. Tu vas bien? Ça va bien toi? Oui, très bien. Vous avez fait bonne route? Oui, ça a été. On a eu un petit peu de neige en traversant le Jura, mais okay. On est bien arrivé. Vous étiez bien équipé alors? Oui, les oui, pneus oui. Neige. On avait ce qu'il faut. Tout était officiel, super. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va aller dehors, comme ça je te présenterai un petit peu l'entreprise depuis ouais. L'extérieur. Ok, bah c'est hein, parfait, je te suis. Alors on y va. Pour cette semaine, qu'est-ce que tu as prévu exactement comme exploitation? Alors cette semaine, on va vous présenter un petit peu l'agriculture en Suisse. Hein, donc principalement, on va parler un petit peu du lait. Hein, on va aussi se retrouver sur une ETA qui est un grand utilisateur de matériel Soulky. On va parler aussi du SMI Direct. On a toute une association de Suisse No-Till qui propose des solutions à l'agriculture conventionnelle, qui sera aussi intéressant. Voilà. Ok, donc une semaine bien chargée alors. Une semaine bien chargée. On aura l'occasion aussi d'aller près du château de Gruyère. Ok, alors, super. Peut-être que tu n'es pas censé le savoir, mais le vrai Gruyère, il n'a pas de trou. Hein, donc on va voir tout ce qui est en AOP, ce qui est protégé, la particularité du Gruyère suisse. Et puis comme ça, vous aurez l'occasion aussi de voir des autres paysages. Et alors, avant de visiter les exploitations, tu peux me parler un petit peu de ton entreprise? Alors, Bovessa, c'est une entreprise qui compte 12 collaborateurs, dont 3 apprentis. On est actif dans la machine agricole en général, principalement en tracteur avec les 3 marques du groupe ACCO, qui sont Fendt, Massey Ferguson et Valtra. Après, on est distributeur de Soulky et de Sky depuis une quarantaine d'années. Donc pour moi, c'est vraiment particulier parce que quand on se balade chez les clients, ça arrive qu'on reprenne des machines qui sont plus vieilles que moi et puis qui ont aussi déjà les autocollants Beauvais, déjà de la marque Soulky. Et c'est vraiment particulier de voir que ces machines, elles tournent encore et que nous, on arrive à les reprendre et les commercialiser. Ok, mais on est parti alors. Alors, on embarque. Salut. Bonjour Thierry. Salut. Merci de m'accueillir sur votre exploitation. Avec plaisir. Avec plaisir. Gaëlle m'a expliqué un petit peu ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? Alors ici, on fait du lait de fromagerie pour l'AOP Gruyère. Okay. On fabrique environ 700, on produit 700 000 kilos de lait sur l'exploitation. On a 8 ans de vaches laitières. Le lait est transformé à Grandcourt, à la fromagerie de Grandcourt, qui est à 7-8 km d'ici, qu'on a construit en 3 sociétés. On a fusionné pour la construire en 2005. Et puis, ouais, ça fait 16 ans qu'on est ensemble. On a 3 300 000 kilos de lait qui sont transformés en gruyère, ce qui représente environ 300 tonnes de gruyère par année. D'accord. Okay. Et en plus, on a un petit débit de lait pasteurisé depuis environ pas tout à fait une année. D'accord. Donc, vous vendez en direct du coup? Oui, en direct. On a deux, trois, des petits magasins, des restaurants, d'une boulangerie. Puis on va faire un petit self à côté de la ferme. Comment vous vous organisez par rapport à la surface? Vous avez de la prairie de prévu pour les vaches? Alors, on a environ 40 hectares d'herbe. Et puis autour de la ferme, on doit avoir 8 arts par vache pour la pâture. D'accord. C'est une norme qu'on doit avoir pour l'AOP Gruyère. Alors, on a beaucoup de surface fourragère. Après, on a du blé, de l'orge, du maïs, du colza, betterave fourragère, du colza depuis cette année parce qu'on a arrêté la betterave sucrière. D'accord, et donc ça représente combien d'hectares?
67 exactement. Ah, exactement. 67. Ouais. 67 ouais. Avec la météo, je suppose que la mise à l'herbe n'a pas encore commencé. Comment vous vous organisez pour la ration d'hiver? On a une ration qui est assez complète. Donc on a du foin, du riz, de la luzerne déshydratée, de la betterave fourragère, des cubes de maïs CCM, des concentrés protéiques, des minéraux. Non, ça, c'est dans la ration de base. Et après, elle est complétée avec les concentrés production et protéiques au distributeur automatique du concentré. Pour la traite, ça se passe comment? Alors, la traite, on a une traite arrière Westfalia 2x6, sortie rapide. Il faut environ 1h30 pour traire les 8 ans de vache. Quoi. C'est vrai que tout seul, ça vient un peu lourd. Entre les vaches, les genisses, on a des genisses ailleurs aussi. Tout ce qu'il y a à faire, ça fait beaucoup. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'on va s'organiser pour être plus et puis avoir un peu plus de facilité aussi. D'accord. Donc, si vous embauchez, c'est que vous croyez en l'avenir de l'agriculture. Oui, clairement. Oui. On espère qu'on puisse continuer à évoluer positivement et puis qu'on ne soit pas trop freiné par... Chez nous, on a des initiatives qui sont contre les produits phytosanitaires et ça nous cause bien des soucis, on peut dire. Mais en développant la vente directe, vous allez forcément expliquer aux consommateurs comment ça fonctionne. C'est aussi le but. Aussi, j'ai vu en arrivant que vous avez un séchoir en grange. Oui, on peut aller le voir si tu veux. Alors voilà la cellule où on stocke le fourrage. Première cellule, le foin. Après, plus on monte, il y a le regain dessus. Et puis la deuxième cellule, c'est où il y a du regain. Que du regain. D'accord. Et donc ça présente combien de coupes? En général, la première coupe, on remplit presque la grande cellule. D'accord. Après, elle redescend un peu. C'est pour ça qu'on peut mettre un peu de deuxième coupe. Et après, l'autre côté, c'est la deuxième et troisième coupe. Parce qu'il y a beaucoup moins de rendement aux deux et troisième coupes. Et puis, s'il y a vraiment trop l'autre côté, on remet un peu ce côté. Au mieux, si on a vraiment beaucoup de fourrage, on fait du bottelage des fois. D'accord. Du bottelage en grange, directement. Ouais. Grâce au séchoir en grange, on a une meilleure qualité de fourrage sec à la fin, vu qu'on peut le ramasser moins de jours il est par terre moins de jours sur le sol. Et puis, la teneur en énergie et en protéines est plus élevée. Et puis on peut dire aussi que le fourrage issu d'herbe, donc le foin, donne du lait de meilleure qualité au niveau des teneurs en oméga-3. C'est bien supérieur aux teneurs en oméga-3 du lait d'ensilage. Et après, au niveau des prairies, vous faites des mélanges classiques ou... Mélange 3-1, régral, trèfle blanc, au début trèfle violet, luzerne. D'accord. Presque tout le temps luzerne, parce que dans la région, c'est séchard. Okay. On a vraiment des problèmes en période chaude, la sécheresse beaucoup. Et puis on peut irriguer aussi. Les prairies. Aussi, ouais. Aussi les prairies, oui. Ouais. D'accord. Parce qu'il y avait l'air aberrant quand on a fait les installations, mais maintenant ça nous rend bien service. On peut aller voir le local de fabrication du lait pasteurisé. Donc c'est ici que se passe la vente directe du lait pasteurisé alors? Oui, actuellement les gens peuvent venir se servir ici, ils payent soit par tuine, soit dans la caisse, on fait confiance aux gens, vu que c'est beaucoup des gens du village qui viennent ici. D'accord. Et après on aura le local à la ferme en haut, et puis on a les autres points de vente qui sont quelques magasins comme on a dit avant et boulangerie. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est le twin? On a un compte barre qui est ici, qui correspond à notre exploitation, notre compte d'exploitation. Alors les gens arrivent, ils ont l'application twin sur le smartphone, peu importe la banque, PostFinance ou Refaison, enfin, peu importe. Ils scannent ça et puis après ils mettent le montant correspondant et puis nous on reçoit directement l'argent sur notre compte. Mais c'est eux qui rentrent le montant en fait, vous c'est faites confiance à vos clients. Confiance. Ouais. Mais souvent ils payent plus qu'ils font. Ah oui, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ouais. Et donc là, ici, on se trouve dans une ancienne étable? Alors là, on est dans l'ancienne grange de ma ferme, jusqu'en 2002,
début 2002, il y avait des vaches d'un côté et de l'autre. Et puis on avait une vingtaine de vaches ici. Et puis Joanne, il était dans une ferme un peu plus bas. Et puis moi, j'avais 13 vaches. Et d'accord. Puis maintenant, on a un hangar métallique. Et puis là-bas, il y a l'atelier et les machines. Ok. Et donc vous êtes regroupés. Voilà. Et vous avez 80 vaches quand même maintenant voilà. aujourd'hui. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous les deux pour votre accueil. Je vous souhaite une bonne continuation. Ok, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Je viens d'arriver ici sur la deuxième exploitation. On est à une heure de route de la première, un peu plus au nord, dans le pays du Gruyère, pas très loin des Alpes, dans les pré-Alpes comme ils appellent ici. On va aller à la rencontre de Yannick qui va nous parler de la coma. Nous irons ensuite visiter une exploitation, puis la fromagerie pour la fabrication du Gruyère. Bonjour Yannick. Salut. Tu vas bien? Bien, et toi? Ouais, ça va. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la coma? C'est toi qui es responsable? Oui, alors moi, je suis gérant de la coma de la tour maintenant depuis une année. Ça fait une année pile que je suis en place. La coma de la tour, on a, je dirais, plusieurs secteurs en route. On a une partie travaux portières, une partie location de machines. Et puis, pour les différents partenaires, on fait encore des achats groupés d'intrants, donc phytosanitaire, engrais, produits de traite, ce genre de choses, et puis des lubrifiants. On a un contrat avec Motorex pour l'achat en commun de produits Motorex. D'accord. Et donc, c'est toi qui gères le planning, l'entretien des machines? Voilà. Alors moi, ça, c'est plutôt ma partie à moi. Donc, gestion du parc machine, location des machines, organisation des travaux pourtières, c'est mon secteur. Et puis, la partie entretien qui vient typiquement des jours comme aujourd'hui. Quand il neige, on fait tout ce qui est la partie entretien, graissage. Voilà. Okay. La coma de la tour, c'est quand même un parc machine de 31 machines en commun, dont un tracteur, le 211 qu'on a là en arrière-plan, 5 citernes, une épandeuse, toutes les machines de travaux du sol, 2 broyeuses, et puis pulvée, 2 semoirs en grès, mise en place de maïs, on fait aussi. Et puis voilà, on travaille dans toute la Gruyère. Et donc, cette partie-là t'occupe à 100% de ton temps ou tu travailles aussi sur l'exploitation? Alors, je dirais que c'est quelque chose de relativement nouveau qui a été mis en place parce qu'avant, c'était un des partenaires qui faisait ça à côté de son exploitation. Tandis que maintenant, moi, je suis engagé à 100% par la coma. Mon temps de travail sur la coma, c'est plus ou moins 60% de mon temps de travail. Et puis, les 40 autres pourcents, c'est des heures que je fais chez les différents partenaires de la coma. Ah, OK. Donc, ça peut être très bien de la forêt, des travaux d'entretien sur les exploitations, et puis ce genre de choses-là, quoi. Puis après, il y a un peu de management à côté qui vient encore. Et puis voilà, après, c'est vrai que moi, j'ai 2 formations aussi, donc agriculteur et forestier bûcheron. D'accord. Donc, les exploitations qui ont de la forêt à faire durant l'hiver, je vais chez eux pour faire l'exploitation forestière, quoi. Avec le 211 aussi. D'accord, je vois justement que tu as le 211... Devant l'Isidril, ça va? Il arrive à l'emmener dans les pentes? Alors, dans les pentes, des fois, c'est un peu technique. C'est pas celui que je privilégie pour les parcelles en pente. Des parcelles plates, à vallonner, c'est pas un souci pour lui. Il se débrouille très bien. Son gros atout, c'est au niveau malléabilité dans les bouts de champ, tout ça. On arrive à tourner sur place. Après, quand c'est en pente, le problème, c'est toujours au niveau adhérence. Des fois, on fait... Nous, on travaille beaucoup en sursemi. Tu fais plus de dégâts en allant avec lui qu'avec un autre. Puis il n'arrive pas à le monter. Il manque de poids, quoi. Voilà. Alors, quand c'est comme ça, je prends un autre tracteur d'un des partenaires de la coma, quoi. D'accord. Et donc, l'Isidril, ça fait longtemps que tu l'as. Il est encore aux couleurs sulky. Oui, exactement. L'Isidril, celui-là, il est de 2014. D'accord. On en avait déjà un avant, par le passé. La coma en avait déjà un. Celui-là a été renouvelé en 2014.
Moi, j'adore cette machine. C'est une machine passe-partout. On travaille aussi bien un semis de céréales en automne, en semis direct, que des sursemis le printemps ou l'automne. On fait aussi des engrais verts avec. Franchement, il est formidable, il passe partout. Nous, qu'on a des terrains aussi dans le Tiamont qui sont relativement caillouteuses avec des pierres qui sont apparentes. Si tu passes en ligne droite dessus, gentiment, c'est pas un problème pour lui. Il passe partout. Ouais. Il est polyvalent. Ouais. Voilà, c'est vraiment la polyvalence par excellence, quoi. Moi, j'aime bien cette machine aussi pour des semis de prairies parce que t'as pas besoin de faire tout ce qui est des travaux d'épierrage derrière. Et puis, s'il y a des parcelles qu'on sait qui sont relativement caillouteuses, ce genre de choses, c'est quand même un gros avantage, quoi. Sinon, tu comptes tes heures à ramasser des pierres, l'exercice, il est un peu moyen, des fois. Mais il y a quand même, je dirais qu'il y a toute une préparation derrière à avoir ce genre de stratégie. Si on part sur un semis de prairie derrière une céréale, il faut préparer la parcelle pour accueillir une prairie, qu'elle soit déjà bien plate, que les bouts de champ, ça ressemble à quelque chose, que les raies de charrues soient comblées s'il y en a. Voilà, il y a vraiment cette stratégie-là qui doit rentrer en place, et puis ça, elle se fait en amont. Pas juste dire, on met une prairie avec le soul qui est en place, et puis comme ça, c'est réglé, quoi. Maintenant, on va passer à la suite, donc la deuxième partie de la visite de la ferme des Grands Bois. OK. Bon, c'est parfait. Bonjour Cédric. Salut. Alors c'est toi le chef d'exploitation ici, c'est ça? Alors oui, je suis un des chefs d'exploitation. Oui, on est 3 chefs d'exploitation ici. D'accord, donc là c'est principalement du lait pour le fromage. Alors la ferme, elle produit environ 800 000 litres de lait par année. Donc la totalité est transformée en fromage. On va dire 600 000 sont transformés en gruyère à la maison du gruyère ici. Et le reste est fabriqué en alpage durant l'été. Ok. On fait notre propre fromage qu'on livre à plein d'endroits dans la région, là, des revendeurs. D'accord, donc une partie qui est vendue en direct et une partie que vous vendez peut-être sans transformer vous-même. Voilà, exactement, ouais. Okay. Il y a 600 000 litres qui sont livrés à une fromagerie qui fait du gruyère. Voilà, d'accord. Gruyère AOP. Donc durant l'hiver, les vaches, elles reçoivent, comme vous pouvez le voir ici, elles ne reçoivent que du foin à manger avec des compléments de maïs séché et des concentrés en fonction de la quantité de lait qu'elles produisent. Et durant l'été, les vaches, elles vont en pâture à la mi-journée, c'est-à-dire en été, quand il fait très chaud, elles vont en pâture la nuit et à l'intérieur la journée. Et au printemps, automne, c'est l'inverse, où elles vont en pâture la journée et la nuit dedans. Et elles reçoivent tout le temps du foin en libre-service quand elles sont à l'intérieur. D'accord. Et donc, par rapport à vos cultures, justement, vous devez avoir beaucoup plus de prairies que de cultures classiques. Exactement, oui, parce que on a un système, une région où il y a énormément de bétail et tout. Donc, on fait toute la relève, la remonte ici. Donc, on a tout le jeune bétail, les veaux. L'exploitation, actuellement, c'est 100 vaches laitières. Ouais. Mais avec le jeune bétail et les veaux, ça fait environ 250 têtes à nourrir durant toute l'année. Donc, avec ça, une grande majorité des surfaces sont utilisées pour la surface fourragère. On a quand même aujourd'hui 13 hectares de céréales et 7 hectares de maïs, un peu pour la rotation, pour le changement des prairies. D'accord. Et donc, ça représente combien en prairies, du coup? Actuellement, en prairie, ça fait environ 102 hectares. D'accord. Ouais. Donc, ça fait beaucoup de foin à faire. Voilà, exactement. Ouais, ça fait de quoi ça faner. Ouais. Mais par contre, vous êtes autonome, en fait, dans votre système, plus ou moins. Alors, avec le système qu'on a aujourd'hui, on arrive à être autonome. Ouais, ça veut jouer. Exactement. D'accord. Et je vois que tu as plein de médailles d'accrochés là-bas. Tu fais les concours? Oui, alors ça fait depuis qu'on est tout petit, qu'on est baigné là-dedans, qu'on participe aux concours. On est quand même dans une région d'élevage où il y a énormément de concours, il y a énormément de bons troupeaux et tout. Il y a une concurrence qui est toujours très saine à l'intérieur des concours entre les collègues. Et puis ça fait partie de notre travail, ça fait partie de notre passion, de notre plaisir à maintenir ça. Et en plus, on est assez fiers d'avoir réussi à transmettre un peu à la nouvelle génération qui semble suivre cette voie aussi. Et voilà, c'est vrai que pour nous, ce qui a toujours été très très important, en tout cas pour moi, c'est vraiment ce bien-être des animaux, ces animaux qui sont en forme, de les avoir toujours un peu au top. Et ça, pour moi, c'est une grande partie de mon travail, quoi. Aujourd'hui, comment tu vois l'avenir de ton exploitation?
Alors ben, aujourd'hui, on a la chance, c'est qu'on a des jeunes de la nouvelle génération qui commencent à pointer le bout de leur nez et puis à arriver dans la ferme. Et puis, ben, apparemment, on a réussi quand même à leur transmettre un peu cette passion ben, du bétail, de l'agriculture et tout. Et ça semble très bien se dessiner pour la suite. Pour nous, c'est, je pense, c'est quand même une grande fierté de pouvoir maintenir une exploitation de, ben, comme ça. On a quand même des bâtiments, des conditions de travail qui sont aussi agréables, des bâtiments modernes et tout. Donc pour nous, c'est, on espère juste que ça continue et qu'on puisse arriver à les intégrer, à leur donner du travail pour la suite. Quoi. Okay. Alors voilà, ben maintenant tu peux aller voir François, il est en train de fabriquer dans une fromagerie artisanale en ville de Gruyère. Et tu verras là-bas, il y a un magnifique château, c'est une magnifique ville à voir. Alors profitez bien de ce séjour par ici. Eh ben, très bien, merci en tout cas, bonne continuation. Merci. Bonjour. Bonjour. Voilà, François. Estelle. Alors, c'est ici que se passe la fabrication du gruyère. Ah voilà, là on fait du fromage. Ce fromage s'appelle le Tradition. En gruyère, on fait plusieurs sortes de fromages. On fait beaucoup de place du gruyère. Ici, on fait du Tradition. C'est un fromage qui va pouvoir se consommer après 2 mois et demi, 3 mois. Déjà. Alors, on peut faire 2-3 sortes de fromage, c'est en fonction du processus, du départ du processus de la fabrication. Alors, le matin, quand on met le lait dans la chaudière, on doit savoir, on doit se décider qu'est-ce qu'on veut faire. On peut faire du Vacherin Fribourgeois AOP, qui est un fromage au lait cru. On peut faire aussi une spécialité en alpage, le Petit Molaison, qui est aussi un fromage au lait cru. Et autrement, on fait une pâte dure, qui est le gruyère ou le lutin, ou ici, à la Maison des Traditions, on appelle le Tradition. Dans le processus, là, vous partez vous récupérez le lait caillé, c'est ça? Maintenant, je récupère, ouais. Le processus, il est au départ. Quand on réceptionne le lait, on met le lait dans la cuve. On va chauffer un petit peu le lait. On va chauffer jusqu'à 32 degrés. Une fois que ce lait, il a 32 degrés, on va y ajouter des bactéries. Et on va ajouter différentes sortes de bactéries, c'est des bactéries ou des cultures, ça fait rien, en fonction du fromage qu'on veut faire. Quand on fait le gruyère, ou le Tradition ici, on garde le petit lait, la liquide que vous voyez dans la chaudière, ça s'appelle le petit lait, quand on aura tout sorti. On garde le petit lait de la veille, on va mettre dans une armoire jusqu'à demain matin, et demain matin, on va sortir nos petits laits de l'armoire et on va contrôler l'acidité de nos petits laits. En fonction du résultat qu'on aura, on va rajouter un peu de caillette, la caillette, la culture sur caillette. La caillette, c'est un des estomacs du veau. Donc chez nous, il n'y a plus beaucoup de monde qui le font. On a des cultures fournies par les laboratoires. Mais on a l'habitude de travailler avec ces caillettes, alors on ne va pas le changer. Il faut savoir que le veau, il a 4 estomacs. Il a le feuillet, le bonnet, la caillette et l'estomac. On dit qu'à l'époque, c'est des moines qui avaient remarqué ça, que dans un de ses estomacs, dans la caillette, le veau, il a bu du lait le matin. Quand ils ont tué le veau, il était coagulé. Donc ces caillettes, ils sont réceptionnés aux abattoirs, ils partent en laboratoire, elles sont séchées, désinfectées. Et nous, on en reçoit une ici, ça fait un peu le boule papier, cette grandeur. C'est comme du papier, c'est sec. Et il suffit de 2 à 3 grammes pour réajuster nos bactéries dans nos cultures. Alors, on a mis ces cultures, on va les laisser, ces bactéries travailler durant environ 30 minutes dans la chaudière. Elles vont faire mûrir le lait, elles vont faire travailler. Et pour faire coaguler cette masse, on va y ajouter de la présure. La coagulation va durer entre 30 à 45 minutes, ça dépend en fonction du fromage qu'on va faire, on ne met pas le même pourcent. Une fois que le lait il a coagulé, ben, on va couper notre fromage, notre caillé. On va couper avec ça. Et ça, ben, on va passer d'un côté de l'autre. On va couper en forme de croix dans la chaudière. Ça s'appelle un tranche-caillé. Après, ben, on va sortir le fromage, ce qu'on est en train de faire gentiment ici. On le sort. Là, on fait plusieurs fromages. On les met des séparations. Et on va le retourner. On va le retourner au début, une demi-heure après. On va le retourner 4-5 fois dans la journée.
Après, on va le laisser dans les moules ici passer la nuit. Et demain matin, on arrive en démoule, en dépatouille, on va le mettre encore. Encore, il va partir dans un bain de sel, le fromage. Et là, dans la chaudière, il reste quelque chose. Il restera le petit lait quand on aura tout sorti. Avec le petit lait, si on veut, on peut recommencer. On peut refaire du fromage. Ce fromage-là va être un fromage maigre parce qu'on a déjà tout sorti ce qu'il y a avant. Et ce fromage-là va s'appeler le sérac. Traditionnellement, chez nous en alpage, un petit peu en fromagerie, les gens font le sérac. On fait de temps en temps, pas souvent, parce que vu qu'on a déjà tout sorti avant, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de... Pour faire le sérac, cette fois, on va monter jusqu'à 94 degrés. Donc, pour chauffer cette masse, en alpage, on fait au feu de bois, ça demande beaucoup de bois, beaucoup d'énergie. Et on a très, très peu rendement. Une chaudière comme ça, si on arrive à sortir une... Là, ce matin, il y avait 1200 litres. Si on arrive à sortir une dizaine de 10-12 kilos de sérac, c'est le maximum. Alors, le petit lait, ben, aujourd'hui, on va le balancer après dans la pompe en bas, dans un tank, et il va servir comme nourriture aux cochons. Avec le petit lait, on peut aussi proposer de faire des bains de petit lait. On dit à Gruyère, en tout cas, que nos comtesses, notre comtesse de l'époque, on l'a pas connue, mais elle avait une belle peau, une peau blanche, la peau douce. Elle prenait des bains de petit lait. Alors, j'ai volontiers que je donne des bains, bien sûr qu'aux dames, hein, les messieurs sont invités à aller boire un verre de l'autre côté. Nous, le gruyère en France, il est avec des trous, et vous ici, il a pas de trous, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait là? Ah ben, voilà. Oui, bon, le gruyère, quand on va en France pour voir le gruyère avec des trous, nous on dit que c'est de l'emmental. Non, ben, c'est aussi votre gruyère qui a des trous, c'est vrai. Alors, c'est au niveau des différences, à la base, au niveau des bactéries qui se fait, au niveau de la fermentation. On a aussi au niveau du lait, chez nous, où on fabrique, en fabrication, on n'a pas le droit de donner l'ensilage à nos vaches. Donc, on a uniquement du foin, du regain, séché au sol ou fini de sécher dans la grange. On ne peut pas donner. Pourquoi? Ben parce que dans l'ensilage, il y a une fermentation. Il y a aussi un peu de risque au niveau butyrique, donc il y a une fermentation. Et cette fermentation, elle va se faire une deuxième fermentation dans les fromages, qui va donner l'existence de trous supplémentaires. Donc chez nous, on n'a pas d'autorisation de travailler avec ça dans nos fourrages, vu que l'intégralité de nos laits, soit en alpage l'été, soit ici l'hiver, est fabriquée en fromage, en gruyère en partie ou en vacherin. Donc on ne peut pas travailler, on nous interdit de prendre ce risque-là. Donc la différence, à la base, elle est due à ça. Ok, merci en tout cas pour les explications. Merci. J'espère que ce premier épisode en Suisse vous a plu. Je vous donne rendez-vous dès samedi prochain pour le deuxième épisode où nous rencontrerons un entrepreneur et un agriculteur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. À bientôt !